départ de la cinquième flotte. Parfait. De peu de mots, mes adieux seront brefs. Une fois à bord de ce navire, il vous sera impossible de faire machine arrière. La prochaine terre que vos pieds fouleront sera celle du Nouveau Monde. Ceux dont la résolution vacille peuvent encore renoncer. Personne ne les jugera. Très bien. Le voyage peut donc commencer. Que l'étoile de Saphir soit avec vous. Oh ! Oh, c'est beau ! C'est beau. Qu'est-ce que c'est ? C'est trop beau. Bordel de merde. Entendu? On est presque arrivé. Allons conquérir le Nouveau Monde. Je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis parti de chez moi pour rejoindre la commission. Alors, un peu d'appréhension? Oh, t'inquiète pas. Moi aussi. Il peut nous arriver n'importe quoi, mais bon, c'est tout l'intérêt de... Salut! Hey, tu serais pas de la classe A, par hasard? Quoi? Sérieux? Nous aussi? Hey, comment tu t'appelles? Hey, yo tout le monde, c'est Frankie & Co, j'espère que vous allez bien, bordel. Moi, ça va vraiment très très bien, les amis, écoutez. Je vais juste faire une petite pause maintenant pour voir où en est le son du jeu, comment on entend ma voix, je reviens. Et après, on va créer le personnage et on va tous se branler ensemble sur ce jeu. C'est parti. Parce que, putain, je suis excité. Sûrement faire des séries parce que ça va prendre trop de temps. Et j'ai pas arrêté de me moucher, quelqu'un m'a appelé entre temps, enfin c'était dégueulasse. Donc c'est parti. Allons-y.
Donc je le répète, hein, enfin je leur dis parce que je vais sûrement pas laisser. Mais si je renifle un peu et tout ça, c'est parce que je suis malade. C'est comme si je bouffe un peu mes M et que je dis des B à la place de des, à la place de dire des M, c'est parce que je suis malade. Voilà. Et je vais vous pisser dessus une nouvelle fois. Bon, si on portait un toast. Allez, moi je suis chaud, j'adore boire. Oh, moi ça. À la classe A, on est les meilleurs! Ouais! Santé! La Bon classe A, alors, longue vie à la à ton classe A. avis, pour quelles raisons les dragons anciens se dirigent-ils vers le Nouveau Monde? Ça fait plus de 40 ans que la guilde a mis en place la commission de recherche et elle n'a toujours pas la réponse. Avec la cinquième flotte, la guilde compte bien résoudre ce mystère. Rien ne nous arrêtera. Calme-toi. Hé, hey, au fait, il paraît que les classes A ont pour habitude de travailler en binôme. Tu as déjà rencontré ton partenaire? Qu'est-ce qu'elle branle, là, elle? Elle est grave chiante, hein. Terre en vue! Elle, c'est celle qui a la voix de Lucie dans Fairy Tail, si jamais. T'as remarqué? Une voix plus ou moins énervante. Le bruit des vagues a changé. On approche peut-être de la terre ferme. C'est de la classe A, pas vrai? Ouais. Salut, toi. Oh là là. Je suis désolée. J'ai peut-être un peu écouté votre conversation. Enfin, ravie de te rencontrer. Moi aussi, je suis de la classe A. Mais... Putain. What the fuck, comment ça? Qu'est-ce qui se passe là? Quoi? Gun the base deal! Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? C'est le nouveau monde! Ah, gros, t'es pas bien, t'as envie de pleurer. Figaro! Bon, en vrai, c'est parce que. Lol. T'as, heureusement que j'avais une réelle armure hein, et que j'ai pas coulé. D'ailleurs, c'est un peu étrange. On joue. On est en jeu. Oui, y a quelqu'un. Allez, 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 allez. Ok. C'est toi. Ah, t'as y'a. Regarde ce qui est arrivé au navire. Oh là 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 là. Mon dieu. Il faut faire quelque chose. Je vais faire quoi? C'est un putain de bateau. C'est trop dangereux ici. Suis-moi. Ah bah avance. Oh bordel. Allez, c'est la fête, c'est parti. Donc je ferai sûrement des sessions en live hein, de ça. Enfin, je ferai l'aventure normale et certaines vidéos. Allez, 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 allez. Je ferai l'aventure. Je ferai l'aventure. Le mode histoire. Je ferai le mode histoire. J'arrive pas à parler, c'est génial. J'ai perdu tout mon commentary. Je ferai le mode histoire normalement, sans pression aucune. Aïe. Et je ferai des quêtes et tout ça quand je devais devoir farmer pour avoir des meilleures armures. Mais le fils de pute quoi. Quand je vais devoir farmer pour avoir de meilleures armures et tout ça, je le ferai sûrement en live. Ou je le ferai en vidéo avec des abonnés. Voilà.
Un sur combien, c'est pas un seul, c'est pas le seul et c'est un. Voilà, c'est un boss. C'est ça. Y'a quoi? J'ai pas vu. Hell yeah! Oh. Allez, bim! Alors c'est quoi ce bordel? C'est que Toulouse? Godzilla. Godzilla. Je suis pas bien, je t'avoue que j'ai un peu peur. Je t'avoue que si c'est ça le boss de fin, Le nouveau monde. Il va me falloir une très bonne morpho hache pour y arriver. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Avec le Rathalos derrière. C'est pour ça qu'elle est là dans toutes les missions maintenant. Elle est tombée, elle peut plus se relever. Ok, salut. Oh, c'est Frankenko, j'espère que vous allez bien. C'est quelle heure là? C'est 52. On continue jusqu'à 10. Donc encore 20 minutes. Parce que je sais pas combien de temps ça vous fera là, mais je sais pas. Peut-être à 5-10 minutes, vous devez être à 5-10 minutes. Donc on va rusher. Enfin, rusher. Continuer un petit peu de jouer. Oh, là, je vais pas vous mentir, hein, je vais. Les 5 voire les 6 prochains épisodes, ils seront tournés maintenant. Hein, en même temps, donc je vais pas vos commentaires et tout ça. Mais j'espère que ça vous plaira. Moi, en tout cas, ça me. Ça me branle. Donc, je crois pas que j'avais sorti de vidéo sur la. Sur la bêta. Je crois pas que j'avais sorti les vidéos que j'avais fait sur la bêta. Je peux pas aller voir là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'en avais fait. J'avais fait plein de vidéos, enfin plein, 2 ou 3 vidéos sur la bêta. Et il me semble pas que je les avais sorties. Mais voilà, mais ils ont pas dit avant que c'était la 5ème flotte ou un truc comme ça, eux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé ça dans la tente. Il y a une carte à l'intérieur. Merci. On doit se trouver par ici. La base de la commission de recherche est là. C'est là que notre navire aurait dû amarrer. Comment tu sais tout ça? Pour l'instant, je pense qu'on devrait essayer de rejoindre le QG. Alors, allons-y. Cette carte devrait nous aider à retrouver notre chemin. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Forêt ancienne. Et du coup, on voit un de nos bateaux qui vole. Regarde, le QG de la commission de recherche. C'est là qu'on va. Allez, viens. Allez, go. Pas le temps, faut y aller. Et du coup, ouais, j'ai pas d'armes encore là, actuellement. J'ai tellement de bossé. Donc, si j'en prends la carte, oh, le putain. Chemin menant au QG se trouve. Oh, enculé, meuf. Je vais tellement t'arracher la gueule. Par contre, sympa, j'aime bien comme ça fait là, tu sais, avec le grand arbre. Là, il y a les montagnes et tout ça, c'est mignon. Ces Actonos semblent aussi dociles que ceux du vieux monde. D'accord, donc clairement, là, ils sont en train de nous faire un. Pas un reboot, mais un. J'ai l'impression qu'il va falloir faire le tour. C'est pas un reboot qu'ils font, mais c'est un genre de. En gros, ils s'installent de toute nouvelle base, quoi. C'est bizarre. Les navicioles se rassemblent. Oh là là, mais elle est chiante. Allez au QG. Bon, je me casse, hein, sale pute. Tu me fais chier. Allez. Moi, je veux t'atteindre du gros monstre, là. Je veux voir les gros monstres et faire. Ah, commence à faire le tour. Il y en a une autre par ici. Ah d'accord, on va aller voir je le grand Jacques. Je sais comment rentrer au QG. Le grand Jacques Grasse.
Jargas. J'ai déjà oublié son nom. J'ai demandé au navicial de mémoriser mon odeur tout à l'heure. Si d'accord. Jamais tu me perds de vue, suis les navicioles et elles te guideront jusqu'à moi. Ok. Très intéressant ce que tu dis. Absolument pas dit dans la bêta ça. On doit pouvoir se frayer un chemin à travers ces branches. Et du coup, il y a des branchages là. Normalement, il n'y en a jamais eu des branchages là. En tout cas, pas dans la bêta. Oh là 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 là, les jaguars. C'est les jaguars, putain, les jaguars, les gras, jagras. Jagras, j'ai oublié leur nom. Enfin bref, en gros, c'est des granges, c'est des jaguars de la forêt quoi. Enfin, de la forêt tropicale. Mais j'avoue qu'ils sont assez stylés, hein, ceux-là. Et j'imagine. Il vaut mieux se faire tout petit quand on n'a pas d'armes. Cachons-nous, vite! Oh. Ça par contre les gars, Monster, là vous avez chié dans la colle. T'as juste à te foutre dans un buisson et plus personne te voit quoi, c'est incroyable. Les monstres ils sont vraiment demeurés hein, dans le jeu. C'est bon, la voie est libre. Profitons-en pour filer. Yes. Allez go. C'est parti. Alors. Quoi? Bah descends. Oh putain. T'as vraiment intérêt à me sucer la bite. Hein. Ouais, non. Je connais. Je crois pas que je connaisse les empreintes de ce monstre. Qu'est-ce que tu veux? Ça continue par là. Allons voir. Waouh, c'est absolument pas l'endroit où j'allais, connasse. Putain, ouais, je te jure. Bon après là je pisse dessus mais je suis en pleine branlette là actuellement. Pouvoir jouer à Monster Hunter sur une play, je vais pas vous mentir que je suis en train de me branler. Oh, oh hell no. Laisse ma nouvelle petite amie tranquille. Je m'en occupe. Oh. Allez! Merci, vite! Allez, on fiche le camp! Allez! Oh là là, j'ai hâte de devenir ton patron à toi, mon gars! J'ai vraiment hâte! Allez! Bon, je vais t'enculer, frérot. Je vais pas te mentir, je vais. Oh, what? Il manquait plus que ça! Qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi! J'existe pas. On dégage. Allez, allez, go. Ouais, à crier encore plus fort pour attirer le. La truc là. J'ai une vie de merde. Bordel. Bah ça va. Toujours debout. Comme dirait mon grand-père finalement. Allez, on dégage. Après, gros, est-ce que c'est vraiment ta petite porte en bois de qui va stopper El Famoso gros monstre final? Ça, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le temps de chargement? On voit une main avec des éclats en bas à gauche, à droite. Des monstres. Putain, les gars. Je suis pas bien, je vais pas vous mentir, j'ai le nez bouché. Je
Il veut pas se déboucher. Et je vous cache pas que ça me commence à me casser. Voilà, c'est pas pour me faire chier ou quoi. Bah, c'est juste que c'est relativement chiant. Mais au moins, ça m'a permis de meubler un temps de chargement. Pas du tout, parce que maintenant, on a un beau écran noir. Ouais. Ah, c'est bon, c'est parti. Impressionnant, non? Regardez ouais, vite fait. Ça. C'est comme si la nature avait voulu qu'on bâtisse Astera ici. Astera? Ça sonne bien. Ouais, cette connasse, elle a eu la même idée que moi, c'est-à-dire parler en même temps. Le reste de la cinquième flotte est déjà là. Vous êtes les derniers. Allons retrouver la classe A, me faire une petite morphoage familiale. Finir le jeu, finalement. Hein? Occupe-toi de lui. Repose-toi, d'accord? Hein? Évite de bouger. Hey, vous vous en êtes sorti? Ouais. Rien de cassé? Non. Vous en avez bavé, hein? Ouais. Ah, j'avoue qu'on commençait à se faire du moron pour vous. Ah, quel soulagement. On était sur le point de partir à votre recherche. Tout est bien qui finit bien. Ouais. Hé, hey, donnez-nous un coup de main. Désolé. On doit y aller. Ciao. Oh, l'assistante, elle est vraiment niaise. C'est comme ça qu'on l'appelle. Toi, par contre, là, type in shape. J'ai vite te mater, mon gars. J'ai vite trop te remplacer. Hein? On a tout ce qu'il faut ici. Des chasseurs pour l'exploration, des scientifiques pour la recherche, et des artisans qui soutiennent tout ça. Cet endroit est le cœur de la commission. Attendez, je reviens. Commandant, je les ai trouvés. Genre, je peux pas, on peut pas venir. T'as les cheveux blancs. T'es bon, c'est mon daron. Dans le jeu, c'est lui mon daron. Clairement. Bienvenue à Astera. T'es sûr que vous arriveriez ici? Quand on a été commandant aussi longtemps que moi, on finit par savoir repérer les bonnes recrues. C'est... Les gars, je vous l'ai dit, c'est mes cheveux. Je vous ferai bien un rapport complet, mais je ne sais pas, mais je ne sais plus où donner de la tête en ce moment. Dès que la situation me le permettra, j'organiserai un conseil dans lequel nous aborderons les points importants. Je compte sur votre présence, évidemment. Votre réputation vous précède. La guilde m'a dit le plus grand bien de vous deux. Je pense que vous formerez une excellente équipe. Non, moi je vais être avec le chat. Au fait, chasseur, ton camarade à fourrure te recherche. Le pauvre s'est échoué sur la... Sur la greffe il y a peu. Ah. Allez donc faire un tour dans Astera. Une corne retentira lorsque le conseil pourra commencer. A plus. Bon, c'est parti pour la visite guidée. Commençons Allez. Par chercher ton palico. Go. Voici le bazar. Tu y trouveras la plupart des fournitures de première nécessité. Donc, genre les putes. Chose, c'est là qu'il faut aller. Merci, Lucie. Ah, elle s'appellera Lucie, hein. Croyez-moi. D'accord. Maintenant, direction la forge. Amoureux des pommes. Hein. Vraiment, il y avait un mec qui s'appelait comme ça, je sais pas bien. Waouh. Par ici. C'est grave stylé. C'est complètement stylé. Vous êtes de la cinquième flotte, pas vrai? Ouais. Le commandant, mon grand-père, est arrivé avec la première. C'était il y a une éternité. Moi, j'appartiens à aucune flotte. Je suis né ici. J'ai jamais vu le vieux monde. Ah, grosse merde. Oh la... c'est une grosse... Il a jamais vu... Ah, grosse merde, il a jamais vu le vieux monde. Eh, vas-y, me parle même pas. Voici la forge. Tu peux y fabriquer tes armes et armures. Autant dire que tu y passeras un certain temps. Waouh ! Regarde cet endroit. On peut y jeter un coup d'œil ? C'est une vraie fournaise là-dedans. Prochain arrêt, la cantine. Allons-y. Il y a même une sale gueule le forgeron. Et là, il y a Pépé Alcoolique, là. Hein, l'ingénieur en chef avec son nez de pissouf, là.
Bien. Allez, go. Direction la cantine. La cantine ? J'arrive. Oh là là, en plus c'est une grosse. C'est un vrai canard. Par ici. Non, c'est pas mon palico ça. C'est le même que le mien avec de mauvaises les couleurs inversées. Ah, c'est beau. Trop cool. Et voici la cantine. Hé, hey, là-bas. Oh, Figaro. Je suis là. Hé, hey, coucou toi. Mais il aurait dû lui pisser dessus et venir vers moi, ça aurait été beaucoup mieux. Je savais que tu t'en tirerais. Ah, joli. Joli palico. Mignon palico. Adorable palico. Bon, le conseil va se rassembler. Allons-y. Oui. Complètement que tout le monde stylé est là, palico. Nous pouvons commencer. Après avoir chassé un dragon ancien dans les hautes mers, la cinquième flotte est finalement arrivée à Astera. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Avec eux à nos côtés, nous espérons que les efforts de la commission de recherche soient enfin récompensés. Soyez les bienvenus parmi nous. Merci. Merci, commandant. Nous allons faire de notre mieux pour vous être utile. Lucie et moi, Lucie va me sucer la bite. Principale de la commission. Oh, vous avez vu le palico trop badass à gauche là, à droite? Ce sera avec plaisir. Merci. Entrons dans le vif du sujet. Le dernier monstre à avoir fait la traversée des anciens est le Zora Magdaros, une bête énorme à l'échine volcanique. Zora Magdaros. La commission cherche à découvrir pourquoi les dragons anciens migrent vers le Nouveau Monde. D'accord. Ces monstres sont parmi nous depuis la nuit des temps. C'est lui qui disait le palico trop badass là derrière. Ils altèrent l'écosystème, dénaturent le paysage et laissent le chaos dans leur sillage. Il y a mon chat qui est... Ils se rendent sur ce continent tous les 10 ans environ. Mais pour quelle raison? Avec l'aide de la cinquième, nous percerons enfin ce mystère. Bien dit. N'y crois pas trop. On passe enfin aux choses sérieuses. Mais pour l'heure, chasseur... Je veux que vous vous concentriez sur notre problème de Jagras et sur la défense d'Astera. Voilà. Vous allez affronter un ennemi surpuissant. Bah d'abord, allez battre étudiez les trois petites merdes qui sont là-bas. Jagras. Ensuite, nous aviserons. Ensuite, nous les buterons c'est tous. Comme si c'était fait, commandant. Quant aux autres, vous connaissez la marche à suivre. Nos chasseurs ne doivent manquer de rien. Enfin, un peu d'action. Oh. Vous êtes de la cinquième, commencez par prendre vos marques. Nous serons là pour vous guider. Merci. Entendu ? Restez avec moi et tout ira bien. La bannière de la cinquième promet un vent de renouveau. À vous de remplir cette promesse. Okay. Ce sera tout. Disposez. Ouais, en fait, ouais. D'accord. Ça ne fait même pas une journée que la cinquième est arrivée, on vous envoie déjà en mission. Bah, bien, on va s'occuper de ce problème de Jagras. Mais d'abord, il va te falloir une arme! Par ici. Il y a un coffre à ta disposition dans ta chambre, suis-moi, je vais te montrer. Gros, régale-moi. Régale-moi, frérot. Mec, je viens de passer la pire journée de ma vie. Il y avait. Putain, je suis va faire un tour dans ta chambre. Vas-y. Oui, papa, je vais faire un tour dans ma chambre pour me calmer. Je vais me calmer dans ma chambre, j'ai tout à fait compris. Hop là, je me gratte un peu les gars. Excusez-moi. Donc vraiment, ce mec s'en bat les couilles quoi. Il vient dans ma chambre et il me pisse dessus. Bon les gars, j'ai dit que je m'arrêtais à Edis. C'est Edis. Est-ce que je vous fais vraiment, réellement un équipement de base dans ce coffre. Choisis ce qui te convient. Est-ce que je vous fais réellement un vrai premier épisode? On se pisse dessus? Non, on va pas faire ça. On va quand même chasser. Dans quel truc j'ai pas regardé? Mon palico. Du coup, ça c'est mon coffre, c'est ça. Coffre. Équipement. Du coup, je pense qu'on va réellement partir sur un bail de. On se démerde quoi. Attends.
Les différents types d'armes ont une grande influence sur le déroulement des combats. Par exemple, grandes épées, infligées d'attaque, blablabli, blablabla. Vous pouvez parler à Chamberlain de votre chambre pour vendre l'arme d'entraînement. D'accord, ok. C'est ça pour les talents, compris, oui. Alors, gros, déjà, ça c'est mort. H bestial. Ah oui! Et du coup, on a de le torturopède. Et le multi. Le mutilogote. Les gars, j'utiliserai ça après. Hein, pour l'instant, on va partir sur des bonnes bases. L'espadon, le katana de fer. Truc de chasseur de base. Deck jumelle assez stylé. H primaire. H bestial, lance canon en fer, lance de fer, cornemuse de métal, arc, arbalète. Ok, les gars, on va partir sur la H bestial, y'a pas de souci, les gars. D'accord, et donc ça, c'est le truc que j'ai eu en précommandant le jeu, y'a pas de souci. Allez, c'est parti. Donc, réellement, il nous donne vraiment toutes les armes dès le début, quoi, c'est assez stylé ça. Parce que je me rappelle qu'au début j'avais pas trop le choix. Enfin, dans le Monster Hunter 3. Toi, Chamberlain. Viens me retrouver à la cantine quand t'auras fini tes préparatifs. Toi, tu fermes tes gueules. J'aurais une quête à te proposer. Tout de suite, t'es. Parle au Chamberlain pour te familiariser avec tes armes. Ouais, t'es gueule. Je parlerai à Chamberlain un peu plus tard. Pour l'instant, laisse-moi vivre. D'accord, donc j'ai pas le Felvin. Ok. Ah, par contre, j'ai la bombe Vita Gap ou pas? Bombe Vita Gap, mon bail sur les gars. Je peux vendre. Je peux vendre mon chat. Ah non, j'ai eu très peur. Parce que les gars, me connaissant, on va sauvegarder. Ça sauvegarde pas. On va se lever. Allez, c'est parti. C'est carrément stylé. Assistante! Où êtes-vous? Je sais pas combien de temps ça fait qu'on enregistre là, les gars. On va quand même aller chasser un peu du monstre. Hein? Vous êtes pas d'accord avec moi? Moi je suis d'accord avec moi. Alors. Maintenant que tu as accès à l'armerie et au bazar, récupère ce dont tu as besoin. Quand tu auras terminé, va retrouver ton assistant dans la cantine. Ok. Les assistantes font le tri parmi les pistes de la commission de recherche. D'accord, c'est où la cantine? Les pistes les plus intéressantes font l'objet de quêtes. Par ici. Alors. On est arrivé par là. Donc après là-haut, il y a la faut monter tout en haut. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vais me branler sur ce jeu les gars. Vous pouvez même pas vous imaginer. Et la cantine, non là c'est la forge et la cantine du coup c'est là-haut. D'accord, et du coup le chat trop badass c'était Miaou Squisto. Te voilà. Salut. Je suis en train d'organiser notre première quête, mais les préparatifs vont encore me prendre un certain temps. En attendant, tu peux visiter Aestra ou te familiariser avec le menu de la cantine. Moi, je le connais déjà par cœur. Je te conseille aussi de faire un tour du côté de l'aire d'entraînement. On voit avec ton chemin pour les détails. Et en attendant la fin du téléchargement. Non. Fais chier. Eh ben écoutez les gars, on peut pas avancer plus dans le scénario. Donc pour le moment, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. On s'est fait pisser dessus du début jusqu'à la fin. Hey. Et puis voilà quoi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu si ça vous enjaille de faire cette aventure en ma compagnie. On se retrouve le plus vite possible pour la suite de ce jeu magnifique. Et voilà. Allez, bye tout le monde.